La réduction des consommations énergétiques passe avant tout par le développement des énergies renouvelables. Dans cette optique, Vallée Sud Grand Paris propose 4 projets ambitieux. Développer la géothermie. Autrement dit, aller chercher de la chaleur dans le sol pour alimenter un réseau de chauffage urbain et d'eau chaude sanitaire. Un important réseau existe déjà sur Bagneux, Antony et le Plessis-Robinson, et d'autres projets sont en cours sur le territoire. Expérimenter sur une ville pilote une station de micro-méthanisation qui permettrait de créer de l'énergie grâce à la collecte des biodéchets. L'ambition à terme étant d'avoir une dizaine de stations sur tout le territoire, elles seraient alimentées grâce à la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici 2024. La création d'un démonstrateur écologique à Châtenay-Malabry. Il s'agira d'un site de sensibilisation du public et de démonstration de techniques innovantes à destination des habitants et scolaires du territoire. Il comportera une ressourcerie, une école du développement durable, une station hydrogène et une station de micro-méthanisation. La création d'un écopôle à Bagneux qui sera notamment dédié aux activités de l'économie circulaire, avec un centre de logistique du dernier kilomètre, un site de transfert et stockage des matériaux du BTP pour faciliter le tri et le réemploi, une station hydrogène et biogaz naturel pour véhicules, ainsi qu'une station de micro-méthanisation.